Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Comme vous l'avez sûrement remarqué dans la vidéo précédente, celle de la découverte d'Opportunity, certains d'entre vous ont eu le nez creux et ont remarqué mon feu stop personnalisé Nikola Tesla. Je vous refais une petite démonstration rapide. Alors comme vous le voyez, hein, Pimp My EV a trouvé une petite astuce pour personnaliser le feu stop, que ce soit du modèle 3 ou du modèle Y. Hein, je vous invite à aller voir les descriptions dans le lien. C'est super sympa, c'est super simple. Vous pouvez mettre l'écriture à peu près que vous voulez. Il y a juste une limite de 10 caractères pour le modèle Y et 12 pour le modèle 3. C'est dû à la forme hein, du feu stop arrière. Mais en fait, c'est tout simple. Vous allez voir, ça vous permet... Juste avec ce petit support sur une plaque 6 mm carbone, vous faites l'écriture que vous souhaitez. Et ceci, ça vient juste se glisser entre la vitre et le carreau et la vitre. En fait, ça glisse tout simplement. Vous verrez, il y a un emplacement, ça glisse tout seul. Donc dans le modèle Y, c'est au niveau du haillon. Vous levez, vous venez le pousser derrière. C'est pas tout à fait la même forme. Mais dans le modèle 3, il suffit d'aller derrière. Vous enlevez celui-là, vous le mettez derrière. La languette, en fait, vous sert à le guider et à le tirer. Je vais vous montrer, je vais placer le Tesla et vous allez voir l'effet que ça fait tout de suite. Donc en fait, il suffit d'attraper l'ancien et vous venez le tirer tranquillement. Hop, alors j'ai pas des doigts hyper agiles. Vous venez le tirer, ça s'en va tout seul. Vous prenez votre modèle, celui que vous souhaitez, et vous venez le placer. En fait, ça glisse, vous avez vu? Ça glisse tout simplement entre les deux. Il n'y a aucune installation à faire. Le mieux, c'est d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui vous guide pour le placer correctement. Une fois que vous avez placé avec l'aide de votre acolyte, vous venez de nettoyer un peu vos grosses traces de doigts, hein, comme moi, pour avoir une lunette arrière nickel. On va vous montrer tout de suite ce que ça donne en appuyant sur la pédale de frein. Maintenant, quand on appuie, on a le Tesla qui apparaît. Donc c'est vraiment super sympa. Donc c'est vraiment un petit accessoire hein, tout simple, mais qui peut permettre des personnalisations super sympas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, le nom de votre femme, de votre enfant. Vous pouvez mettre le logo que vous voulez, c'est vraiment super cool. Donc merci à Pimp My EV pour cette belle découverte. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Opportunity et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.